apprend aujourd'hui toujours avec nos portes. Je sais pas si on va s'en sortir. Cette fois, les portes donc du placard sont terminées et là on attaque les portes de nos chambres. Donc au final, on a six portes, les trois des garçons, la nôtre, la porte des toilettes et la porte de la salle de bain. Voilà. C'est reparti pour un tour et une fois qu'il aura fini ça sera quand même un gros boulot de fée, hein, parce que bon, c'est du temps hein, à passer là-dessus, hein. Tout décaper, tout enlever, reboucher les trous, il y en a pour un petit moment. Hein. Mais bon, une fois que ça sera fait, ça sera plus à faire, hein, voilà. Bon, et eh bien quelle galère là cet après-midi. Donc vous avez vu vite fait, on a commencé donc les portes de notre chambre, enfin, la porte de notre chambre. Sauf que notre ponceuse, on a, je vous dis, on a deux ponceuses, donc il y en a une qui nous a lâché. Donc on fait ça avec la petite ponceuse qui reste. C'est une galère. Il a passé 1 heure et demie, je crois, pour poncer une porte. Mais bon, bah il n'y a pas de. Je sais que sur. On peut faire des drives à Monsieur Bricolage, des choses comme ça, mais ça nous embête franchement d'y aller pour ça. Donc c'est pareil, il lui faut des vis. Donc on dit, je vais pas aller faire un drive pour un paquet de vis, quoi. Mais bon, il lui faut quand même 180 vis pour remettre les portes du placard. Donc il me dit, je vais regarder sur Cdiscount ou sur Amazon si je peux pas acheter des vis, quoi. Parce qu'il me dit, ça. Je suis pas sûre que des vis, ça soit un truc de nécessité première. Donc je suis pas sûre que les drives, ils acceptent. Enfin bon, là je suis en train de préparer à manger. Donc ce midi, qu'est-ce qu'on mange? Je suis en train de faire un filet de saumon. J'ai mis des baies roses. J'ai mis de la baie rose, de l'huile d'olive, du poivre et une petite tranche de citron. Je suis en train de préparer un poireau que je vais faire revenir avec des oignons, des champignons et une courgette. Et après, je suis en train de faire à côté du riz. Je vais faire juste un sachet de riz que je vais tout mélanger en fait. Je vais faire du riz aux légumes, tout simplement, avec le petit saumon. Et en dessert, on va manger des fraises ce soir. Voilà, des fraises à la crème. On adore ça. C'est notre péché mignon l'été. On n'est pas encore en été, vous allez me dire. Mais c'est des fraises corses, je tiens à préciser. Du coup, c'est pas un produit importé. Et donc voilà. Et je suis en train d'importer par contre. Ce qui s'importe, c'est ça, c'est ma vidéo. Voilà, vous l'aurez déjà vu, c'était un vlog. Et les garçons, ils sont en train de jouer. Alors par contre, Arthur, tu descends de la table, s'il te plaît. Le petit cochon, regarde les animaux. Au Playmobil. Là, venez voir. Il y a un petit chien avec la laisse. Eh hey, ouais. Là, c'est pas. Ah non, c'est pas un petit cochon, pardon, c'est un petit chien. Maman, elle est nulle, elle connaît rien, hein, t'as vu? Oh là là! Il y a un autre chien. Alors attendez, là, vous avez mangé de la fraise, donc il y en a partout. Et il y a une petite souris, regardez! Donc ils sont grands maintenant, ils vont pas mettre dans leur bouche, je le sais. Donc du coup, il y a plein de petites carottes. Ouais, t'as les mains très sales, chérie, on va les laver les mains par contre. Donc voilà, ils sont en train de jouer tranquillement ici. Tant que moi, je fais à manger avec mes deux glues là, dans les pattes. C'est super de faire à manger avec deux glues dans les pattes qui sont couchées, qui vont demain aller au coiffeur, parce que là, c'est plus possible. Hein, Flora? Ah, regardez là, vous êtes sales comme des poux. Ça donne ma petite poêlée de légumes là, ça a l'air plutôt appétissant. Finalement, j'ai mis qu'une demi-courgette parce que ça faisait trop sinon. Comme ça, je la garde, je l'utiliserai une prochaine fois. Hop là, vous voyez plus rien. Mais ça, avec le riz, ça va être très bon. Bon, voilà, là, il est 20h30. On est parti coucher les enfants. Moi, j'ai débarrassé la table, j'ai mis toutes les chaises sur la table. C'est ce qu'on fait tous les soirs. Il y en a qui me disent, oh, ça me saoule, mais nous, voilà, on passe la spi tous les soirs. Et ce soir, comme on est samedi, on va se regarder un petit film avec Bastien. J'ai allumé les petites lumières et tout, je vais aller lui faire son thé. On va aller prendre notre douche et puis après on va se regarder un petit film tranquille sur le canapé. On le fait jamais la semaine, donc des fois le week-end on se fait plaise, comme on dit. Et voilà, bon avant il faut que les enfants dorment. Et ça sera cool, voilà. Par contre la joie d'avoir des enfants c'est aussi ça, vous voyez. Il y a... pas mal de rangements. Inscrivez ça à votre liste hein, si vous voulez avoir des enfants. Il y aura du rangement à faire. Sinon, moi, avant d'aller tondre, j'ai quand même eu le temps de faire un clafoutis. Désolée du bruit derrière.
Avec les cerises en fait qu'on avait ramassées l'été dernier, je les avais congelées. Du coup j'ai fait un petit clafoutis. Donc on va voir, là il est fini. Mais il est déjà midi, donc je vais commencer à préparer à manger. Qu'est-ce qu'on a dit au menu ce midi? Alors c'est salade concombre, feta, tomate, omelette jambon, salade. Voilà, bon. Et un petit clafoutis en dessert. Du coup ça y est, j'ai fini ma petite entrée. Donc j'ai mis tomate, concombre, feta. Et puis je mets de la mozza. Mais là j'ai dit je vais tester avec de la feta, j'adore ça finalement. Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ça mais j'aime bien. Ensuite j'avais dit ce midi donc omelette. Et en fait comme il me restait du riz aux légumes d'hier, et bien je me suis dit plutôt que de le jeter, il ne reste pas grand chose, je vais le mettre dans mon omelette. J'ai mis des bouts de jambon et là je vais préparer mes œufs, puis je vais les mettre dessus. Et ça fera une omelette riz, jambon, voilà, de reste avec des champignons et tout, ça sera parfait. Et je voulais vous montrer, je l'avais montré en story mais je voulais pas montrer à vous, j'ai ces petits trucs là parce que là donc du coup j'ai ouvert un paquet de jambon et il m'en reste pas mal de tranches et du coup pour éviter d'utiliser des films plastiques j'ai acheté ça quoi. Bastien m'a acheté ça et c'est des là il y a un film plastique, vous voyez mon doigt à travers, hop voilà, du coup ça épouse les la forme de ce qu'on met à l'intérieur. Alors attendez, d'une main c'est que c'est pas pratique. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est fermé. J'y arrivais pas d'une main. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est fermé. Vous voyez, je sais pas, mais c'est vraiment, ça épouse la forme de ce que vous mettez à l'intérieur. Et ça permet de, bah, de filmer et puis de pas y avoir d'air. Et je trouve que c'est hyper bien. 60 charnières de porte. Mais quand je vous dis que c'est un travail de titan, c'est pas des mythos. Il a tout décapé à l'acide. Voilà. Donc il s'est amusé. Hein, parce qu'elles étaient peintes, il y avait 3 couches de peinture là-dessus. Voilà. Donc là, il a tout étendu sur un fil. Et on va aller bomber avec de l'après et ensuite de la peinture exprès, voilà, en noir. Donc c'est encore un grand boulot tout ça. Ça sent le bonbon. Ça c'est quelque chose qui se met avant la peinture, l'après. Ça porte mal son nom, hein. C'est pas, ça se met pas après, ça se met avant justement. Et ça permet de... C'est comme une sous-couche en fait. Hein, et ça fixe bien. Et moi je m'apprête à trier notre pharmacie. Voilà, ça c'est notre caisse à pharmacie. Mais là on a été... Comme on a été plein de fois au médecin récemment, on a plein de médicaments. Donc il faut que je trie tout ça parce qu'il y a des choses qui sont plus valables. Et puis c'est pas possible que je laisse ça comme ça. Donc voilà, on a notre caisse à pharmacie. Il faut que je m'en occupe, que je vide tout ça, je trie, parce que là, c'est, ça ressemble plus à rien, voilà. Bon ben voilà, c'est fait, hein, ça a bien trié, regardez toute la place que j'ai. Du coup, j'ai jeté tout ça, donc ça, c'est des choses que, c'est des trucs qui sont ouverts, je vois, il y a des sirops, mais j'ai regardé, ça se garde 30 jours après ouverture. J'ai retrouvé ça qui est périmé de 2014, pourtant on avait trié, hein. Voilà, des trucs qui sont plus très bons. On va l'emmener ça en pharmacie, hein. Et puis ça, les médicaments usagés, faut surtout pas les jeter dans une poubelle classique, hein. Faut les emmener en pharmacie. Et voilà, donc je peux vous dire juste une chose, on peut avoir la gastro. Parce que du Smecta, on a 2 boîtes. Du Turfan, j'en ai au moins 3 boîtes. Et des Doliprane aussi. J'ai de la Ventoline, j'ai... Voilà, ce qui nous manque, c'est du Spasfon pour les enfants. J'en ai plus. Et puis voilà, on a ce qu'il faut, hein, pour la gastro. J'aime tellement les voir jouer comme ça. Je sais pas ce qu'ils font, ça se trouve ils font une bêtise. Mais c'est pas grave. La table est mise. On va manger dehors ce soir, il fait super beau. Hello tout le monde, je vous reprends, on est samedi. On est enfin en week-end. Là il est 9h30, je viens de me préparer. Je pars avec mes lingettes, mes gants et je vais faire mes courses. Voilà, il y a un peu plus d'une semaine où je n'y ai pas été et là le frigo est vide. Hein. Vide, 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 il n'y a plus du tout. On n'avait plus que 2 oranges ce matin pour faire le jus. Donc c'est la dèche. Ils étaient là, mais pourquoi il n'y a pas de jus? Ben, parce qu'il n'y a plus d'oranges, les petits ne comprenaient pas. Ça n'arrive pas par magie dans le frigo. Il fait super beau parce que vous voyez j'ai mis un petit truc à manches courtes là, donc il fait très très beau. Je vais aller ouvrir mon portail. Je suis contente parce que du coup demain c'est Pâques, c'est les cloches, et du coup s'il fait ce temps, bah, ça va être génial. Bon, l'herbe sera un peu humide, hein, mais bon c'est pas grave, ils mettront leurs bottes et ça va être chouette. Je vais vous montrer juste après les placards de l'entrée, ça y est ils sont terminés, donc ça rend super bien. J'ai hâte surtout d'avoir
le parquet et tout, les murs de fait pour vraiment se rendre compte. On a fait le parti pris de laisser le cadre en bois, on va voir. On a dit qu'on verrait quand il y aura le parquet ce que ça donne. Est-ce qu'on le peindra tout pour que ça fasse quelque chose d'uniforme, ou est-ce qu'on va laisser comme ça un peu en bois? Pour le coup ça fait un peu industriel, mais je vais vous montrer juste après. Donc voilà, j'ai fait une bonne liste de courses. Je vais aller faire les courses du coup. Je vais aller à Auchan. Je voulais aller à Lidl, mais en fait il y a des choses qui me manquent à Auchan et j'ai vraiment la flemme d'aller faire Auchan et Lidl. J'ai pas envie, hein, j'ai pas du tout envie. J'ai fait mon menu de la semaine. Oh, j'arrive pas à lever mon truc. J'ai fait mon menu de la semaine. Alors là pour le coup j'ai pas eu trop d'idées, pas trop d'inspiration. Ça va être très très simple cette semaine. Mais voilà, je vous ferai peut-être un retour de course, on va voir, je sais pas. Si j'ai le temps au retour, à quelle heure je rentre, j'espère que ça va pas être plein de monde. Donc voilà, Bastien va un peu modifier ce matin la chambre avec Maï. Maï veut bouger son lit de place et tout. Mais je me rappelle quand j'étais jeune, je faisais souvent ça aussi. Et Bastien me dit, moi c'était toute ma vie, hein. tout le temps, tous les mois, je changeais ma chambre de place. Donc là Maï nous a dit hier, j'aimerais bien changer mon lit et tout. Donc moi je suis pas forcément pour, parce que j'aime bien quand c'est comme ça. Mais je lui dis, vas-y, fais. Du coup ce matin, ils vont modifier un petit peu la chambre. Des biscuits, je change, j'ai jamais essayé, je vais faire des biscuits à la cuillère. Donc voilà, j'ai préparé mon appareil là-dedans, c'est très facile. Vous faites 3 jaunes d'œufs que vous mélangez avec 45 g de sucre. À côté de ça, vous montez vos blancs en neige avec 50 g de sucre. Ça vous fait comme une meringue. Vous réinitiez le tout et vous rajoutez 60 g de farine sans trop mélanger. Et puis moi, j'ai mis un peu de vanille, mais vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, ça se fait beaucoup. Et après, vous pochez ça sur votre plaque et vous mettez ça 15 à 20 minutes à 150 degrés. Et avant de les enfourner, il faut les saupoudrer de sucre glace. Je vous dis ça, mais je ne sais pas le rendu que ça va avoir. Et là, mon caméraman, il est trop en train de filmer, bancal. Hein ? Je vois l'écran qui tombe. Je pense que c'est pas mal ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, comme ça. On s'en fiche. Le but, c'est que ça se mange. Et que ça soit bon. Je vais essayer. Non, le biscuit cuillère, c'est comme ça. Et puis ça remonte en pointe. Mais moi, ça va pas être très bon, je pense. C'est pas grave. Ça sera bon, je suis sûre. Pour celle-là, et on va aller saupoudrer de sucre glace. Je vais chercher une autre plaque. Mais elle est pas bien ou quoi, elle? Si on va aller, ça gagne. Hein. Bon, allez, ça part au four pour 15 minutes. Et j'en ai fait pas mal, hein, deux plaques. Et voilà ma petite fournée. Donc j'avais fait deux styles différents, la plus classique. Et celui-là, ça faisait un peu plus des zigzags, mais c'est pas mal. On a goûté, c'est bon. Donc j'attends qu'ils refroidissent ceux-là, puis je les mettrai dans la petite assiette. Mais c'est tout simple à faire, hein. Franchement. C'est pas mal pour une première. Donc là, Bastien, il est en train d'installer dans la descente des escaliers. On essaie de l'aménager. Des étagères où je vais pouvoir ranger ici mes bouteilles, des choses comme ça. Ça me libère de la place dans ma cuisine. Alors, non pas que j'ai pas assez de place dans ma cuisine, mais en fait, au niveau rangement, je suis limite. Et du coup, ça va me permettre de libérer ici tout l'espace que j'utilise pour les bouteilles et de pouvoir ranger d'autres choses. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a, mon bébé? Du coup, voilà ce que ça donne dans les escaliers. Franchement, ça prend pas de place, mais c'est vraiment super bien pour ranger les affaires. Bon, on a du vin rouge, c'est plus pour les bourguignons en général. Donc voilà, on a mis ici que les choses qui ne craignent pas trop. Hein. Voilà, je suis trop contente. Good morning. Coucou. Je vais vous montrer un petit peu, vous me demandez souvent ce que je fais dans mes petits bols là le matin pour les enfants. Donc moi j'en mange pas, hein. Moi je suis toujours avec mes petites tartines, je vous montre. Hop, comme ça, je mange ça depuis des mois. J'adore, avec un petit peu de beurre et un petit peu de miel. Voilà, donc je mange ça, je mange une tartine le matin avec un verre de jus, c'est mon petit déj. Et les enfants et Bastien, ils adorent ça, ils mangent ça, on va dire 5 jours sur 7. Donc on prend des petits bols comme ça. Fromage blanc, donc j'ai fait deux plus petits pour Evan et Arthur.
Et là pour Bastien et Maë. Ensuite dedans je vais mettre du sucre de fleurs de coco. Voilà. Donc là moi j'avais acheté cette boîte comme ça, mais je le re-remplis en fait hein, parce qu'on l'a déjà fini, on l'a déjà rempli 3 fois au moins. Je l'achète au vrac après au magasin bio. Donc je prends une cuillère que je répartis un peu partout comme ça, voilà. Je vous montre, vous me demandez souvent sur Instagram ce que je mets dedans. Donc je vais vous montrer ça. Ensuite je vais faire un mélange de flocons d'avoine et de muesli. Voilà. Ça c'est, on va tester aujourd'hui ceux de Lidl, donc croustillant, noix de pécan et au sirop d'érable. Donc bah, tout simplement moi je me suis lavé les mains bien sûr avant, hein, parce que je touche pas ça comme ça. Mais j'en mets un peu partout. Voilà. Et même Arthur il mange ça, hein. Tout le monde adore. Et voilà, ensuite on va mettre ça. Ça c'est peut-être un peu plus sucré, mais ils aiment bien le côté un peu croustillant. Voilà. Hop. Et vous allez voir ce que je rajoute après. Et ensuite pour terminer je vais rajouter des fruits frais. Donc là j'ai été aux courses hier, donc j'ai plein de fruits rouges. Sinon je mets du kiwi, ils adorent le kiwi. Ça, ça se conserve bien. Banane c'est plus pour Bastien parce que Maë il aime pas ça, il est comme moi. Et Evan non plus, mais Arthur il en mange. Donc là après je vais prendre donc des fruits rouges. Donc là c'est des myrtilles, ils adorent ça. Voilà, je vais en mettre. Il y a des petits qui font du bruit. Banane pour moi. Oui, allez, vas-y. Une fois que j'ai terminé avec mes petits fruits, je vais rajouter un peu de graines de chia par-dessus. Voilà. Hop, une petite cuillère. Voilà. Hop, voilà. Et ensuite, je mets, pour le côté gourmand, de la coco râpée. Et on termine dessus avec de la coco râpée. Ça fait peut-être beaucoup de choses, mais c'est que des bonnes choses. Hein. Ils adorent. Et voilà. Et ça fait des jolis petits bols. Après, je vais mettre devant parce qu'il y a beaucoup de soleil. Plein de bonnes choses. Hop, vous n'allez pas voir avec le soleil. Et du coup, après, au final, ça fait des jolis petits bols. Plein de bonnes choses. Et ils vont tout manger. Du matin. Oh bah là on va avoir de quoi pour rendre. Hein. Et là t'as mis combien? 3 pommes, 3 oranges. Et une carotte? Une demi-carotte. C'est parfait. Et avant aussi on leur donne toujours aussi un peu un verre d'eau, un demi-verre d'eau pour commencer. Parce que sinon en fait ils boivent que du jus. Voilà, c'est pour couper la soif. Ils se réhydrater un peu le matin. Et je sais pas si c'est dans des Bastien, mais aussi pour se réhydrater le matin. Après tout le monde peut pas le faire. Moi clairement je bois un verre d'eau le matin comme ça à jeun, ça me donne envie de vomir. Mais bon, je vous emmène dans les coulisses de Pâques. Là les enfants sont en train de déjeuner. Du coup je vais aller préparer donc les chocolats. Je vais tout ouvrir. Je me rends compte qu'au final j'ai acheté pas mal de choses. En fait j'ai acheté quand j'allais faire les courses depuis un mois et demi. Je prenais un paquet par-ci, un paquet par-là. Et je me rends compte que j'ai quand même pas mal de choses. Donc j'aurais pas pris de gros œufs Kinder cette année. Parce qu'au final des fois ils ont du mal à le finir. J'ai pris plein de petites choses et la voisine hier est venue nous voir. Elle est adorable, cette petite mamie. Et regardez ce qu'elle m'a ramené. Je lui dis ça va pas. Regardez, 3 paquets de Kinder. Donc ils ont pas de panier de Pâques en fait. Donc on va leur faire faire dans les Pâques, dans les sauts d'Halloween. Mais c'est pas grave, hein, on s'en fout. Mais voilà, donc j'ai pris ça. Parce que Maë, je lui ai pris une petite boîte de jeu. Pixel ou je sais pas comment ça se dit, Quixel, vous savez les petites perles avec l'eau là. Et pour ses frères du coup, bah ça j'avais acheté, Maë je l'avais acheté il y a un petit moment avant le confinement. Et bah du coup pour ses frères j'ai pas trouvé de petits jeux et tout, mais j'ai trouvé ça à Lidl. Donc je vais leur donner ça pour eux, c'est des petits animaux dedans. Donc voilà, ils auront chacun un petit jouet et après des chocolats. Donc j'ai pris des petits moulages pour vous montrer, j'ai tout pris à Lidl. J'ai rien pris ailleurs sauf ça que j'avais pris à assez longtemps à Auchan. Voilà, et ça j'adore, hein. Je crois que je vais bien les aider à manger ça. Donc j'aurais pris des petits moulages, franchement je me suis pas ruinée, hein. Tout ça, ça Lidl, ça coûte pas très cher, ça coûtait moins d'1 €. J'ai pris ça, des petits œufs là, la noisette. J'ai pris des œufs comme ça, chocolat caramel. J'ai pris quelques Kinder. Ensuite j'ai pris
3 petites sucettes au chocolat blanc, des pièces parce que je sais qu'ils adorent ça. Ça, mais maman va bien les aider. Des petites coccinelles. Voilà, j'avais pris ça et la voisine, elle a rajouté tout ça. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses, même... J'ai pris que des petites choses parce que voilà, moi je sais que les grosses poules, les choses comme ça, ils les mangeront pas. Là, je leur ai pris que des petits moulages. Ils sont contents. Les cloches, j'entends. Bon, papa, elle a eu une idée ce matin. Regardez, regardez. Maman, ça s'est mis en veille. T'es prêt? Oui. Regarde, elle est quoi? Mais vous rigolez en même temps. Bastien a enlevé la porte de Maé pour l'attaquer, sauf qu'il a plus de porte. Et du coup, il a... Ah, pour la sieste, il faut qu'on trouve une solution, même pour dormir. Hein. Je vous montre, on a changé l'organisation de la chambre de Maé, et ça fait plutôt pas mal. Il est parti se coucher parce que là, il est 21h. Je trouve que c'est vraiment sympa comme ça aussi, ça fait encore plus chambre. Donc qu'est-ce qu'on a changé? On a changé les boutons du lit, là, de ses tiroirs. On a mis des boutons noirs, je trouve que ça va vachement bien avec. Et c'est que les autres ils tenaient pas en fait, ils étaient pas très bien. Du coup on a mis des boutons noirs. Oui. Et on a changé les boutons qu'on avait avant. Arthur n'arrêtait pas de monter dessus pour monter sur mon lit. Oui, puis ça les avait abîmés. Du coup, voilà, donc on a fait comme ça. Donc là, il y a le rideau, bon, parce qu'on la porte, elle est... Demain, on commence à la peindre, elle va bientôt être finie. On a laissé son bureau ici. Je suis essoufflée parce que j'ai monté les marches. Allez, vas-y, montre. Il a fait une création avec son papa. Et moi et papa, on a fabriqué un ordinateur. On est en train de lui faire... Ils sont en train de se faire un ordinateur. Alors, un four avec deux planches en bois. Et papa, il a tout bien poncé. Et pour que ça reste ouvert, montre ce qu'il a fait, papa, derrière. Il a mis des bitonios comme ça pour que ça reste bien ouvert derrière. Et demain, vous allez imprimer un clavier. Un clavier et un écran. Et un écran. C'est très beau, mon cœur. Donc, il est content. Il a fait ça avec son père. Par contre, ça se referme pas facilement. Bon, ça va. Si vous entendez rigoler, c'est que Bastien est à la douche avec les petits. Hein. Il est très tard, on a mangé tard aujourd'hui parce qu'on a beaucoup bricolé. Donc on a fini la chambre de Maï, on a collé toutes les plaintes, ça y est. Donc la chambre elle est totalement terminée. Enfin, voilà, les plaintes sont collées. Donc voilà, là on n'a pas changé, on a laissé ici comme c'était. Oui, mon cœur, qu'est-ce que tu veux dire? Et aussi? Oui, il a eu aujourd'hui des quick sales pour Pâques. Et il en a eu des... Bon, on va pas éteindre la lumière, mon cœur, mais ceux-là, c'est qu'ils font quoi? Ils brillent dans le noir? Oui, ça fait un zombie qui brille dans le noir. Quand on les met beaucoup longtemps à la lumière, ils brillent dans le noir. C'est comme le feutre fou. Ouais, c'est bien, mon cœur. Donc, du coup, là, on a mis sa petite étagère ici. Je trouve qu'elle ressort bien sur son mur, du coup. Ouais, ça va vraiment bien dans le... Il fait bonjour. Elle ressort bien sur son mur. Voilà, on a... Du coup, là maintenant, il a son lit dans ce sens-là. Avec sa petite table de chevet à côté. Donc là, il peut vraiment plus avoir sa petite table à côté. Elle est plus derrière. Du coup, ici, ça fait le derrière du lit. Donc on hésitait avec Bastien à mettre une planche pour fermer. Mais en fait, je me suis dit que bah, là, par exemple, il a mis des Legos. Et souvent, en fait, il fait des choses, des créations quand il joue. Je lui dis, mais range tes jouets, j'aime pas quand ça traîne. Ben en fait, je me dis, là, il pourrait les ranger par-dessous, ça se verrait pas du tout. Comme ça, quand on arrive dans la chambre, ben franchement, ça se voit pas, en fait.
Ici, j'ai mis des livres parce qu'on a collé cette plinthe. Et Bastien me dit, je pense que le mur n'est pas très droit parce qu'elle avait du mal à coller. Donc on a mis plein de livres pour que ça colle. On va laisser ça toute la nuit et comme ça, ça sera collé. Parce que le reste, ça a collé nickel. Mais là, il me dit, je pense que le mur n'est pas très droit. Donc voilà la suite de l'ordinateur. Bastien a imprimé sur un papier autocollant un clavier. Et Maï vient de demander à Bastien une pomme. On va te faire une pomme, oui. Si tu veux, on va te faire une pomme. C'est pas mal, hein? Je suis en train de faire l'écran. Mais... On va faire un écran après, d'accord? Et maintenant, on va installer l'écran. Comme je disais, je tiens à préciser qu'à la maison, nous n'avons pas les moyens d'avoir un Apple. Sauf notre fils de 6 ans et demi qui a son premier MacBook. Voilà. Nous ne sommes pas sponsorisés. Hein. Hop! Tu as pu prendre une poire, ça aurait été rigolo. C'est vrai. Plutôt qu'une pomme, ça aurait été rigolo de prendre une poire. Ta vitre, c'est foutu. Hein. Bon, après, il y a une incohérence. Hein. C'est un Apple et il tourne sous Chrome. Hein, donc, oui, mais bah, c'est pas grave. C'est pas Safari, je précise. Parce que... Pour les plus pointilleux. Voilà. C'est pas mal. Franchement, c'est trop bien. Bon, moi, j'ai enlevé ça quand j'ai dit. Hein. Je m'en suis construit des trucs aussi. Hein. On lui a mis c'est pas sorcier sur les requins et les dauphins parce qu'il a demandé ça. Et voilà, petit ordi pour pas cher. On va faire des petits colliers de fleurs, mon amour. Regarde tout ce qu'il y a. Il y en a partout. Mais on les voit à l'écran, mais tu les vois aussi là, regarde. Donc il faut en prendre une grande, regarde, une grande, celle-là. Tu vois? Et après, on va les enfiler dedans. Ça va faire comme des petits bracelets. Tu veux? Allez, assis-toi là-bas. Assis-toi à côté de maman, dans les fleurs. Assis-toi. Tu en trouves une grande? Tu veux prendre celle-là? Tu en choisis une, toi? Une très grande. Ah ben, une petite? Oui. Mon amour. Tiens. Oh, t'es gentil, mon cœur. Plus fort, plus fort. Clôturer ce vlog ici, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas du tout si le contenu aura été très intéressant, mais en tout cas, ben voilà, ça me fait toujours plaisir de partager notre petit quotidien avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Hein. Je vais avoir un petit peu de temps maintenant, donc je reviens très vite. Allez, ciao!